Voilà, on va visiter le cimetière américain. C'est beau, hein, c'est comme aux États-Unis. Hein. Wow. On était dans un beau site là-bas, mais malheureusement, j'ai découvert d'autres beaux sites ici. Malheureusement, là-bas, il n'y avait pas de la connexion, du coup, j'ai pas filmé. Là, on va aller au cimetière américain. On va dire bonjour à nos aïeux qui sont partis. Voilà, ça c'est le cimetière américain. C'est vrai que moi j'adore les cimetières. C'est beau, hein. Donc tu vois, ces Américains qui sont morts, ils n'ont pas de nom, ni de date. Ils ont que des chiffres. Là, c'est le chiffre 10. Ça, c'est le chiffre 11, 12. Donc, mais non, ils ont quand même leur nom. Ils ont leur nom. Oui. Donc, les chiffres, ça donne juste l'allée, quoi. Donc, tu cherches ton grand-père qui est mort, ton aïeul qui est mort, on te donne ton nom. Tu viens seulement ici, on te dit allez, 14 ou 15. Tu vas prier dans sa tombe. On voit comme les choses des blancs sont bien propres. C'est comme aux États-Unis. Hein. C'est historique ici. On va visiter. Moi, j'aime les choses comme ça. Voilà. On va me chasser que ne revienne plus. Ah là, c'est magnifique. Ici, c'est en Amérique. Hein. Regardez le drapeau américain. Allez, commandez. Nous sommes quand aujourd'hui? Le 26. J'ai rendu hommage à ma façon.
to the eternal memory of 3 0 0 was give the life. Les Américains qui ont donné leur vie ici. C'est magnifique. Hein? C'est pour les femmes. La connexion dérange beaucoup. Ça, c'est pour les femmes là-bas qui sont les marines femmes qui sont mortes à la guerre mondiale. Là-bas, ce sont les hommes. Ah, comment c'est beau. Ça, c'est pour se recueillir ici. De temps en temps ici, il y a de... Souvent, ils mettent de l'eau bénie ici. C'est magnifique. Ici, on peut donner... Après, je ne montre pas mon écriture. Reposer tout sa paix. Voilà. Bon, je viens de rendre hommage pour honorer leur mémoire. Après tout, ils ont comment combattu. Pour que nous, les rêves du monde, nous restons en vie. Oh! On peut quand même faire le tour pour sortir de l'autre côté. Non, c'est là. Aujourd'hui, c'est. Il pleut, il ne fait pas beau, c'est maussade. C'est. Je ne sais pas. Ce sont les toilettes américaines ici. C'est entre les toilettes sont. Non, les toilettes sont là-bas en bas, entre les toilettes sont fermées. C'est beau, hein? Ouais, les toilettes sont en travaux. Mais il y a quand même un secrétaire qui est là, hein? Il est américain. Ah, c'est une bordel qui assiste. Bon, on a visité les cimetières américains. Comme ça, moi aussi, je veux parler que j'ai vu ça, c'était amable, c'était comme ça, c'était écrit comme ça. Moi aussi, j'ai écrit ma page. J'ai dit que j'habite à Suresnes. Je m'appelle Madame Elisabeth Degremont. Reposer tous en paix. Voilà, c'est ça qu'on appelle honorer la mémoire. Il faut faire les choses comme il faut. Je suis venu les saluer. Pour que tous ceux qui sont morts.
Chaque matin comme ça, bien. Je marche. Rien que pour ton équilibre mental. Rien pas fini. Fais mes gestes ce matin. Trop de force, mon père. Allez, on y va. J'ai fait tout d'effort. C'est marrant, là, j'ai faim subitement. Hein. Rêve une binda. Le belé. Aujourd'hui, tu vas chauffer le cadeau aujourd'hui. Donc, comme j'ai appris que quelqu'un m'a dit que elle va bagarrer avec moi. Elle va revenir bagarrer avec moi quand je suis prête. Le tout, si je tes fesses là, je vais te dormir sur le sol. Quand je vais te tirer au nom de Dieu, toute la force que Dieu va m'envoyer, tu ne sais pas. Vous dites que vous allez taper les gens ici dehors. La force, il y a une force qui vient souvent quelque part. Hein. Tu dis comment? Entre que tu vas là-bas. Quand il va te sourire, tu vas comprendre. Voilà, tu ne seras plus number uno. Tout le monde a dit. Notre bagarre, il faut bien se recourir à la bagarre. J'entends, non. Tu vas bagarrer. C'est toi qui as changé d'image. Quand ça ne va pas haut, j'ai changé de vie. Je ne fais plus le direct. Je ne suis plus les gens. Et tu sors Kalamongo devant tout le monde. Kalamongo va les piner tous. Kalamongo va les faire ceci, ceci. Il est venu, non. Il a piné, non. C'est pas quand tu as vu les choses comme ça, les choses ne marchent pas. Ça retombe sur toi. C'est vous qui aimez Dieu. C'est vous qui dormez avec les totems. C'est quel Dieu vous priez alors? Hein? Je vous pose une question. Vous priez Dieu, vous priez les totems. En tout cas, moi, est-ce que Dieu est un Dieu de jaloux? Hein? Il n'est pas certaines choses. Hein? La vidéo s'est figée, pourquoi? La vidéo est figée.